derrière le bouquin consacré à Christophe Colomb, le découvreur, mais aussi à son œuvre, La Découverte, il y a, et ça transparaît, donc c'est pas qu'implicite, dans le bouquin, il y a plusieurs moments où je sors du livre pour faire une réflexion surplombante, où j'interroge qu'est-ce que la recherche historique, qu'est-ce qui fait que un savoir devient confus ou qu'un savoir se précise, montrer la contradiction, font l'opposition qu'il y a entre des personnes qui passent des décennies à faire progresser sur des détails le savoir, mais de manière définitive, de manière positive, des gens intègres, et à côté de ça, des gens qui s'auto-compilent, plagient les uns les autres, qui font naître des rumeurs. Et donc je trouvais ça très intéressant d'essayer de développer une espèce d'éthique par rapport à l'appréhension d'un savoir et au partage d'un savoir.